relations entre le prince William et le prince Harry ont connu des tempêtes ces dernières années. Mais il fut un temps où la complicité entre les deux frères illuminait leur enfance. D'après les révélations d'un ancien membre du personnel de la famille royale britannique, ces deux princes ne se sont pas toujours éloignés l'un de l'autre. En effet, le Mirror a rapporté ce jeudi 8 août que leur enfance était jalonnée de moments de tendresse et de rires partagés. Depuis qu'Harry a décidé de s'éloigner des obligations royales, ses déclarations, notamment à travers ses mémoires, ont souvent laissé des tensions palpables au sein de la famille royale. Cependant, Darren McGrady, ancien chef cuisinier des Windsor, évoque une époque plus douce. Enfant, William et Harry se retrouvaient autour de leur plat favori, le cottage pie, préparé avec soin chaque fois qu'ils rendaient visite à Kensington Palace. Ces moments en cuisine, remplis de joie et de complicité, rappellent que derrière les titres et les protocoles, se cachent des souvenirs d'une fraternité inoubliable. Que ce soit pour se renseigner sur le déjeuner, jouer à cache-cache, ou simplement passer un moment à discuter, les frères étaient souvent de passage dans la cuisine, raconte le chef royal. Il ajoute avec un sourire, « Parfois, ils souhaitaient même mettre la main à la pâte. C'était toujours un peu chaotique. Mais quelle joie d'avoir ces deux garçons dans la cuisine. » Malgré leur statut de « enfants royaux », ils ne différaient en rien des autres enfants. Ils couraient partout dans la maison, riant et s'amusant. Lors de leur séjour avec leur mère, Lady Diana, les deux frères avaient dit même le privilège de déguster leur dîner devant la télévision le week-end, un moment de détente qu'ils chérissaient. Un jour, la princesse, observant la personnalité de ses fils, aurait confié à Darren McGrady. William est sérieux comme son père, tandis que Harry, lui, est une vraie tête en l'air, tout comme moi. Ces mots témoignent de la tendresse et de la complicité qui régnait au sein de leur famille, révélant une dynamique unique entre ces deux frères au destin si différent. Les relations entre le prince William et le prince Harry sont actuellement décrites comme très mauvaises, mais selon une source proche, il existe néanmoins une lueur d'espoir pour une éventuelle réconciliation. Dans un article du magazine People publié le 31 juillet dernier, un initié révèle que Harry a multiplié les efforts pour renouer le contact avec la famille Tower Windsor. Malheureusement, chacune de ces tentatives semble avoir échoué. Le père d'Archie et Lilibet aurait essayé de joindre son grand frère par texto, appel et lettres, mais ses gestes de réconciliation sont restés sans réponse. Malgré ce silence, la source souligne que la relation entre Harry et William n'est pas irréparable, laissant entrevoir une possibilité de rapprochement à l'avenir. Cependant, William n'est pas le seul à ignorer les efforts de son frère. Le roi Charles III semble également adopter une attitude similaire face aux tentatives de Harry. Dans ce contexte délicat, la question demeure. Y aura-t-il un jour un chemin vers la réconciliation pour ces deux frères autrefois si proches ?